Balande Rongolef Télévision de partout au Colanda Bissoua, c'est net moment. Mon amoka Joseph Mbenzazali na Bissoua Elongo. Togo Beta Masolo et Ali Mboka Nengi Tolobaka toujours qui Masolo Mboka Beta Makanaba na Mboka. Lelo Oyo, chef de l'État a pesi merci na gouvernement Samalukonde Zalagi Bongo durant ya conseil de ministre Oyotigo Salema Mokolo ya vendredi. A pesi bango a remercié bango. Ezali kola ki sa ete gouvernement Sika. Ezali annoncé dans les 72 heures ou bien 72 heures Nengi Tolobaka na le poteau, tout causer encore plus longtemps. La bande était tout sur le 17 mai, les Ali Bongo date pour commémorer fête et libération et la République démocratique du Congo. Est-ce aujourd'hui pouvons-nous parler de la libération aussi longtemps? Est-ce la République démocratique du Congo? Ils allaient là-bas partir ou ils allaient là-bas comme rebelles? Est-ce ils allaient encore le 17 mai? Ils allaient encore d'actualité na R actuel, na bandi et témoin Mboka Joseph a correspondu à Mituna Onyonso et puis Tokobeta Masolo. Est-ce le lo yo Mboka ezali pris otage na présidium ya Union Sacrée pour na romon a été imposition na maloba ya Mboso alobi été décidant et les députés vont obéir. Est-ce Mboka so mis na otage ya présidium ya Union Sacrée? Mon Mboka Joseph Mbenza Motenayo. Un motende Bolivien, merci pour l'invitation, je suis content d'être là. On a quoi éclairer opinion, Moussa na biso tozwa, parce que biso tozwa, je suis parmi les communicateurs du chef de l'État. Tout à fait. Et, principe, il y a soutien oblige, et puis nous soutenons les institutions. Communicateur de l'UDPS et, fidèle lieutenant du CG Kabuya. Donc, voilà un peu comment je peux dire. Merci pour l'invitation, Pessingaï. Pessiba Kongole, nous sommes ici, na diaspora Mbote. Partagez parce que nous allons vous informer de la situation actuelle dans le pays. La bande était au fond de la parenthèse avant que toi et toi la mathématique d'Ali Bongo et Nocé, toi au fond de la parenthèse à Moukier. Il y a côté de la bande de quoi diaspora, ou il y a un changement de constitution. Il y a côté de la bande de Mboka Nyonso, le lingue Kani. Naïmoko Mboka Nazaraki sur le terrain, na. Oui, Zali Bongo route, il y a Kalembele, mais Zali hôpital pédiatrique, mon aîné qui n'a sangona Mboka République démocratique du Congo, n'a mon bon Zalaki sur place, kota la état ya route. Et Zali Bongo, même vidéo, Zali Bongo illustré, ba Congolais, de partout, ba Kolanda, kota la état ya route, Kalembele, mais n'enge komi, et Zali même bloqué, moi, mi tout kele, Zali te, délabrement total, mon Mboka lelo yo. Est-ce que vous espérez vraiment que mon abba infrastructure, y a malonga na kata Kinshasa, parce que, Kinshasa est allé au Kindé, na Kukufa. 80%. Il y a un chantier Nyon Sabanzela, na vie province à Kinshasa, ils sont à l'arrêt. Alors moi, je me pose la question, pourquoi commencer ce que vous ne pouvez pas achever? La responsabilité, c'est à deux niveaux, national et provincial. Quand je dis national, il y a un ministre qu'on appelle le ministre d'État des ITPR, monsieur Alexis Bizarro. Pour moi, ce monsieur ne doit plus retourner au gouvernement. Mais il ministre à IDPST. Alors, il a côté IDPST, place aux Ali quand même. Parce que l'IDPS, c'est qu'on comprenait les peuples d'abord. C'est que, comme il y a un animateur, il y a un long mot pour matérialiser les peuples d'abord. Je côté l'Alexis Guizaro. Tu n'as pas côté l'Alexis Guizaro. Présenté comme alors, est-ce qu'il peut nous dire l'IDPS? Pour tous ceux qui ont commis membres du gouvernement, il faut oublier l'IDPS, il faut le considérer comme un préposé de l'État, comme un mandataire de l'État. Il engage l'État, il n'engage pas l'IDPS. La seule personne qui engage l'IDPS, c'est le CG Kabuya. Et nous autres qui parlons nous de... Mais là, qui l'a envoyé là-bas? Nous sommes en politique. Après les élections, il y a ce qu'on appelle le quota. Le quota de l'IDPS, M. Guizaro, je suis d'accord. Mais le jour que l'ordonnance est signée, c'est-à-dire le monsieur répond à la nation, au peuple congolais, il ne répond plus à l'IDPS. C'est ça le principe, il y a gestion de l'État. Donc, je dis ceci. Pour moi, M. Guizaro, est-ce qu'il peut nous présenter aujourd'hui l'état physique de Kinshasa sans zéro trou? Il ne peut pas. Parce que t'as là-bas chanté Nyo Soma. Mais qui n'a pas occupé Kinshasa? Il y a un zone là-bas. Est-ce que va venir avec des huileries? Ce n'est pas le seul Tignyo Ka. Ce n'est pas le seul Tignyo Ka et Kalembelembe. Mais il y a aussi Nyango, il y a aussi Nyango. Je vais en parler. Ce n'est pas le fait que tu sois ministre de l'IDP si tu as fait foin, n'en a un côté là-yo. Même Yemoko Ndazabongo à Binza Pigeon, route nationale numéro 1, sur l'avenue Kananga, na Sewana, jonction Kananga, la route nationale numéro 3, 1, route nationale numéro 1. Il y a un trou béant là, Bami Touka, Baba Roti, les autres, Boukana, ba transmission, c'est son quartier, il habite quelque part là. Yemoko place ministre. Avenue Kokolo, rien.
Avenir Bobozo, rien. Et puis, ils sont aux Unyangwe. C'est quand même regrettable. Ce qu'on sait pas, c'est que mon que non, monsieur Gentini, Mbobilazaï, nous t'aimons ma pour la vie présente à Kinshasa. Et puis, le monsieur, ça, on te but, à la top Congo, à l'objet que nous t'aimons pour le bâtiment, à Gérard, Mbok, à Mabé, à Zandoki. À l'objet, mon top Congo. C'est quoi, à Zandoki, entre, il y a un mouton pour le bâtiment, Congo, à Gérard. Non, bah, tu vas juger, papa, Zoé Nyangwe. Tu ne peux pas imaginer. Zoé entre Kabinda. Tu ne peux pas imaginer. Zoa, Bosso, jardin botanique, Avenue Kazavoubo. Dis, aux autres, on a Zandou. Mais Zela, au côté de la Zandou, Zate. Zoa, Zela, on a pour Bimati, au Kéleba, victoire. Je suis passé par là, je n'ai pas cru que cette route pouvait devenir impraticable. Donc, c'est pour dire, 80% de ma chantier, il y avait province et Kinshasa à l'arrêt. Donc, M. Daniel Boumbalouba, qui est le gouverneur, il aura du pain sur la planche. Ce n'est pas des privilèges, ouais. Mais c'est une lourde responsabilité parce que ma taxe, non seulement ma impôt est belé, ma blog est belé, ça l'a moins indexé. Et que les gens vont nous faire tout foutre. Ah, mais la bande était pas congolais, pas colombien, parce que Ezali, initiative, tout cause, on a mon amour, Joseph Mbenza, et que la Xabino Kinshasa, l'État Ezali, le il faut que les gens soient allés, mais il faut que les gens, parce que la bande qui sont malobis, qui est dans une paix. Pour mettre les comités, je voir, mon amour. Mon frère, ce que nous avons dit, c'est un mauvais monsieur. Qu'il mène la route nationale numéro 1, tronçon sanatorium jusqu'à Molard, jusqu'à la caméra, aucun personne ne peut comprendre que non, nous étions à. Non. Neko. Fou, il y a un constat, il y a un constat qui est un peu plus grand que la foule. Je dis que la Kinshasa va vraiment te faire la foule. Ndeko, moi, je suis sur le monde, on a l'autre côté. Que nous avons la foule, nous avons la tronçon sanatorium jusqu'à Mola. Filmé, il y a un observatoire, nous avons appliqué la crise. Et nous avons dit que tu es un peu parce que. Et puis, tu t'es dit, j'étais gouverneur de la ville province de Kinshasa. Mais aujourd'hui, avec le Sénat, est-ce qu'il n'y a pas des sanctions sociales que homme politique a mal géré, il doit être sanctionné? Mais aujourd'hui, quelqu'un qui a mal géré. Quelqu'un qui a fait la même gestion dans la tête et à ville, mais il s'y retrouve dans le Sénat. Ça fait mal, je te dis, ça fait mal. Le cas dans lequel Gentini Ngobila Tikiville province de Kinshasa dans ma boca Daniel Boumba. Mais évitez ce qu'on s'en a dit, indexé des Jekenda. Tu ne sais pas avec quel argent il va gérer la ville province de Kinshasa. Mais c'est ça aussi le mal. Est-ce que dans la malte? Parce qu'à chaque fois, moto ou a tika ta ville ou a rokota rokuta kè se za vide. Déjà, marché central est en train de nous attendre un montant de 20 millions de dollars. Il faut que tu foutes parce que y a un de tonga qui t'en a contracté na Sophie Bank. Et puis, il faut que tu aies un dossier pas Zandou. Parce que entreprise en a français zona. Et tongi Zandou là. Bangonde bakozwa exclusivité à qu'on récolte ma mongo ya Zandou. Mais ce n'est pas eux qui ont donné l'argent, c'est Sophie Bank qui a donné l'argent. Maintenant, je me pose une question. Comment est-ce que le contrat a été signé? Une entreprise qui vient construire avec son expertise, qui n'a même pas mené un dollar, mais qui doit percevoir les taxes pendant au moins autant 25 ans, il y a Zandou. Mais on se pose la question, tout ça, la banquette, Photosongilango, pour éclairer le Congolais, pour dire, ce contrat-là, on doit réviser ça. Voilà, Nabandi était Zalaki Bongo parenthèse, parce que Zalaki Bongo, mission, aujourd'hui, à Kolaksabino, Kinshasa, même si il faut recontacter le Congo profond, nous allons le faire. C'est un début avec mon amoka Joseph Mbenza, nous allons le faire pour Natola Kisanamo Konzamo, Natola Kisanabino, pour la diaspora, état à laquelle, ville à Kinshasa, état à laquelle, Congo et Zali, qu'on s'est retrouvé à l'heure actuelle. Mon amoka, tout le monde est là, tout comme ta masoulé, ta limbongade, mokane, tout le monde est là, mokébé, ta maganabana, moka, l'éloyo. Situation en Mboka, ça fait très mal. Comment on a été, tout le monde était battu par aider mon conseil Mboka T, conseil des ministres et les qui chef de l'État remercier ma ministre. Mais les loups, qu'est-ce qui bloque sortir à gouvernement? Est-ce nous allons espérer voir le gouvernement dans les 72 heures à venir, te causer encore plus longtemps parce que Mboka est inapposa, mon salaire est mal. Moi, je ne comprends pas les Congolais. Il y a des fois, nous sommes intellectuels, en même temps, nous réfléchissons comme des gens qui n'ont pas étudié. Nous avons un régime semi-présidentiel. Au bisoba politologue, tout le monde a rabis, c'est fallu bien bicaméral. C'est-à-dire, le président a un champ d'action qui ne peut pas outrepasser. Parce qu'il y a dualité entre le président et le parlement. C'est ça qu'on dit semi-présidentiel. Vous comprenez? Nous avons un régime où le président, après prestation de serment, a connu qu'on nommait premier ministre, était dans le gouvernement. Alors, tant que ça va tout changer, on va tout prêter, mais ça va intention, ma bête.
Je dis c'est le c'est cette constitution. Je crois que la constitution est bénéficiaire à Mukili. Tant que la constitution n'est pas Mukili, le président prête serment, il ne peut pas nommer un premier ministre, il faut un informateur. Qui peut vous bouffer encore deux mois? Et si l'honnêteté, il faut qu'il y ait encore qu'on nomme un premier ministre, ah ben encore. Non, 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 c'est compliqué. Donc la nécessité est. C'est du juridisme inutile et pas important pour nous. Donc, le président Rebaki que non, c'était une constitution post-conflit, parce que tout prétendait m'intentionner. Alors, il dit, je suis président, je suis là, je peux nommer le premier ministre, même aujourd'hui, mais je ne peux pas le faire. Parce que de l'autre côté, il faut que je vois ce qui se passe au Parlement, précisément à l'Assemblée nationale. Kouna Pesouzou, il faut installer un bureau provisoire. Un bureau provisoire, il a un délai, après, il va organiser l'élection au bureau définitif. C'est alors que le président peut avoir la manœuvre à renommer gouvernement. Nous avons noté que l'élection à l'Assemblée provinciale, même quand Momo Kozambo Kalobi dans le Conseil des ministres, et ce qu'elle est la même périodicité, la même élan. Parce que le président sait déjà que le bureau s'installe, il peut même nommer un premier ministre. Et puis, le premier ministre, on va au côté à la Moussalaté. Il faut faire l'attitude, mais ce sont des blocages inutiles. Comme je ne peux pas travailler, je dis Parlement, Assemblée nationale, l'individu programme mandataire. Donc tout ça, c'est. Et puis la Constitution ici consacre la première année à l'Eyaya mandat, au Kodamboka, il faut avoir 6 mois pour installer l'institution. Mais on est déjà presque vidé. Je dis 6 mois. Donc vidé déjà 6 mois. Non, tu as dit. Vous allez installer janvier. Toi, la main, Tout maintenant, on peut m'assurer en haut parce que tout le monde a gouvernement et Kobima. Parce que chef de l'État, la conseil ministre, a fait si bon, merci. Merci d'en avoir accompagné qui n'a eu dira Sama, n'a pas eu Sama 1, Sama 2, Bao, ma régionale qui Sama 2, Bino Nyoso, merci Nabino, conseil des ministres et Soukiawa. C'est-à-dire que non, l'ordonnance est déjà prête. Aujourd'hui, l'ordonnance est déjà prête. Et puis, nous avons présenté un rapport à la Bobi, yo, Oyate, yo, Ozonga. Na bombe na sa moto manaye parce que ça va battre nous sous à cause on a sous on a été mais oui net banane Alexis Guizard à cause on a sous temps il y a même des ministres et des mandataires qui ne peuvent plus retourner Nicolas quand c'est des raisons te il y a ça pas problème en tout cas je ne sais pas me prononcer en tout cas deuxième comme dingue comme la justice en tout cas comme mon cocoso nous tenez tina ni sous à cause on a été parce que belé monsieur Mabilo il existe ces messieurs. Donc, même un mandataire, Moutounetti, DG Asnel Lucinde, il ne peut plus retourner à la scène. Mais aujourd'hui c'est aussi une grande question. Mais qui est derrière Lucinde? Parce que nous voyons que Kinshasa est plongé dans mon lit. Il n'a pas dit que tes photos qui tapaient sur le terrain pour la question Asnel. Hein? Parce que Kinshasa est dans mon lit. Mais le DG n'est pas bougé. Personne ne fait pression, même lui-même consciemment, il ne s'est dit même pas que c'est monsieur Lucinde, j'étais parmi le rare de personnes qui l'ont soutenu quand il a été suspendu. Nous avons soutenu ce monsieur, croyant que quand il va retourner, il va faire mieux. Mais on se rend compte par rapport à toi, le CEP, Ezo Kita, sous Lucinde, même si sur ligne, il y a autant sur routine à niveau, il y a zone 1, zone 2. Mm. Et comme il y a déjà la terre CPA, plus de 200, 300 mégawatts et 20 millions. Et ça, on a pas d'écouté. Normalement, c'était M. Lucinde Nesnel, la Yéwana. Il ne fallait pas même à ma cabine. Hein? Il y a des charges pour nous reprendre ça. 42 000 ménages, plus de 2 millions de quinoa courants. Mais tout ça, on a pas monté. Alors, ces messieurs, nous savons qu'on a visite guidée. Ceux qui ont la banque mondiale, ils ont comme la salle de turbine. Mais quand on retourne là-bas, ils ont été sur la turbine. Bien des moussala naïe. Bien moussala naïe. Quand on est mieux que Lucinde, malheureusement. Ce monsieur, c'est un incompétent. Je me rends compte que c'est un mauvais casting. Il y a moi toujours à la maman premier ministre. Quand on va passer l'étape de ministre, quand on va partir maintenant dans des entreprises et des établissements publics, bon, on est là, DG à office de route. On dit office de route, on peut se manger à Massa, construction, on va à Kinshasa. Personne ne va faire ça une semaine, on va faire 4 mois. On aura 5 mois de ciment par jour. Bureau technique de contrôle.
BTC on a bon ben dans la parce que l'état des routes la qualité est mauvaise. Agence congolaise des grands travaux. Dis n'importe quoi dans ce genre de choses. Mais on a là il classique laissé par Joseph Kabila. Je vous dis le casting, il y a chef, il y a ma chef dans. Et on n'a pas de grands managers. Vous avez la SNEL, on vous met quelqu'un qui ne sait pas faire avancer la SNEL. Voilà, déjà, toi, quand tu ma solo, 17 mai, les amis, bon, là, toi, les amis, là, qui s'habillent, toi, pour commémorer, libération, y a, Rébia Zahir, Nakati, Komagi Bongo, République démocratique du Congo, la démocratie était au rendez-vous, à partir, il y a les 17 mai, la population criait, libération, libéré, et Zalaki Bongo, l'El Mokolo, l'El Oto, quand tu ma solo, est-ce, aujourd'hui, dans la République démocratique du Congo, pouvons-nous parler de la libération? Aussi longtemps que Bounagana, Rutshuru, Vichumbi, tous ces territoires-là, ils allaient occuper. Vichumbi, ça s'est occupé. Ça a été récupéré depuis il y a deux jours. Information certifiée. Vichumbi, déjà. Mais est-ce que les lois, mon je vais mettre dans ton sur la libération dans la République démocratique? Le 17 mai, c'est la plus mauvaise de date que l'RDC n'a jamais connue. C'était, nous avons consacré non la libération, mais l'occupation par du Zaïre de l'époque, par des armées mono-ethniques, tutsi, ougandaises, rwandaises et burundaises. Retirons dans le but, parce que derrière Laurent Désiré Kabila s'est caché les armées de ces trois pays, soutenues par des multinationales. En réalité, ce sont des Américains qui ont été derrière cela. C'était le moment où on nous a vidé des subsistances en tant qu'État. Tout ce qui était comme fierté d'une nation. Et si là qui joue Rwanda, je dis, et si là qui, depuis 97, 96, 97, c'est en ce moment-là que nos femmes, nos enfants, nos filles, nos mamans, nos papas ont commencé à être tués, massacrés, violés. Pour les dignités congolaises, à cause de notre frère Laurent Désiré Kabila qui a accepté comme les Tintin, les Charlot, comme des Nanga, ils paieront cher ce qu'ils sont en train de faire d'accompagner Kagame, Museveni et les autres, Nakata, il y a Bétizo. Vous comprenez? Donc il y a une libération. Je dis, tous les scientifiques, les politologues, nous sommes d'accord avec moi que c'était une guerre de libération. C'était une guerre d'occupation. Mais déguisée parce que le peuple en avait marre de Mobutu. Le peuple voulait un libérateur. Mais en réalité, le peuple, nous ne savions pas ce qui était derrière Laurent Désiré Kabila. Nous ne savions pas. Si nous le savions, tout le monde dit maté. Parce que Rwanda, c'était ma mounaté. Si ma femme n'est qu'une chasse, dans le Bible, ma femme c'était qu'on a dans la bamboua kagame. Ma femme ma casse c'était dans l'emba. Oh, dans un biso. Dans un biso, là, ma territoire, les alliés occupés. Toutes les guerres que Kagame nous a menées ici, c'était sans combat. Je dis sans combat. C'est à peine que Kagame est en train de perdre des soldats. Parce qu'à coup d'un, il a fatigué de tomber quoi, tombolo. Moi, le tien, tu sais que dans mon maman, mon maman Marthe. Notre frère congolais de père et de mère, Joseph était l'ami et le frère de Kagame rwandais. Parce que Joseph était dans la mallette de l'AFDL comme rwandais, parce qu'il est formé dans l'armée patriotique rwandaise. De Paul Kagame. Donc Joseph faisait une carte sa cuisine interne. Je dis, Namandela, allez-y. Le 20 mai, c'était l'atterrissage de M. Laurent Désiré Kabila à Kinshasa. Na Bagad nae, Joseph Kabila entre guillemets. Mais na Boukab Bandome est commandant Hippo. Vous voyez bien moi? Commandant Hippo. Mais Hippo lui dit qu'il y a un bête. Oh, où ça se trouve? Et Joseph Kabila est comme on a été. Mais professeur Emile Moïnou, qui est le gouverneur de l'époque, nous tapait ce combo à Katangé. C'est lui qui a fait de lui un Katangé. Oh, mon amour, qu'est-ce que c'est? Bah, bien sûr, le roi Désiré Kabila, tu vas dans la chambre bouillée. Oh, quand t'es chambre bouillée, ça veut dire quoi? Après, on passe à oh, bon, si vous, Jeannette, n'a pas Joseph Bazabana. Bah, bon, t'as deux endroits différents, comment ils peuvent être des jumeaux? Des jumeaux? Oh, oui, bah, t'es. Tellement, Jeannette, n'a Joseph, bah, vous, ça m'a dit. Bah, vous, t'as pas de jumeaux? Sous Joseph Kabila, ce n'était que du mensonge. Ce monsieur, il sera arrêté tôt ou tard par usurpation des nationalités d'identité congolaise. Toute l'histoire de Joseph Kabila, ce n'était que du maquillage, du soupaudrage,
mensonge grossier. Tout ça, on a donné ma toi, dit. Le moment venu. Le moment venu, n'a pas dit, tu te goyé ma vérité, bon solo. Les lots, les lots, on te monique quand même que les biens. Journée où on commémoration, il y a soldats congolais, salami, et moi, quand je vais mettre dans l'objet, était normalement, ils allaient dans la libération, ils allaient dans la guerre d'occupation, et quand ils allaient dans la République démocratique du Congo, mais quand même, conscience s'est réveillée, tout le monde quand même, bah, il faut redescendre, le monde va aller en attaque, pour récupérer quand même, bah, territoire. Les lots où ils pouvons nous dire, quand ils allaient dans la République démocratique du Congo, nos partis occupés pourront être aussi libérés. Ça n'a rien à voir avec le 17 mai. Rien à voir. L'Angola, une date maudite pour nous. Où nous avons vu un État, une nation sombrer. À cause de multinationales, de la puissance, de l'indépendance. Mais depuis que nos frères et soeurs sont morts, dans le monde, ça change la donne, même sur le plan international, sur le plan interne. Opération Vengeance de Léopard, tu n'as pas entendu? Opération Vengeance de Léopard Ribandi. Tu n'as pas entendu? Et tout le monde est quand même forcé à Yabawazale. Kirim a récupéré, Kikoukou récupéré et tous les autres. Bavitchoum l'a récupéré. Les Fadès et Wazale m'ont promis de libérer tous les territoires occupés. Bravo à nos forces armées de la. Nos Fardes et nos agents de sécurité, de services de sécurité et aux Azalendo. Bravo au commandant suprême. Je dis bravo aux amis Bali. Nous combattons. On dit les Fardes. Je vais citer quelques noms. Total, la seule armée au monde qui fait face, un, au Rwanda. Deux, on dit déjà que non, il y a un problème avec l'Ouganda. Le gouvernement congolais a fait la preuve documentée que le gouvernement ougandais soutient le M23. Oui, bien. Ah, mais tout le monde est chef de l'État, n'a pas major, moi. Mais quand il y a un monde problème, moi, on a souri, il était. Malaki, c'est papa, voilà votre implication. Ah, donc, elle a qui n'est pas dans le dossier, voilà. Bah, tiens, maman, n'a soumbela. Bon, il sa terme. Malaki, si elle a la preuve, il y a implication arabe ougandaise aux côtés du M23. Collaboration militaire, ils ont 4 à la d'ici quelques heures. UPDF. Et son katana. Nous faisons face à l'armée ougandaise, rwandaise, Chili Kianima, je t'ai dit, Turaneo, le M23. Plus de 10 groupes à 10 rébellions, cette armée. Bravo. Et puis, ils nous maintiennent. Nous allons suivre cette affaire de près parce que la situation est la République démocratique du Congo. Il y a un président responsable. Alors, dit, je vais récupérer Bounaga, pas par des négociations. Et je vais récupérer Bounaga de manière définitive pour qu'on ne revienne plus avec des bêtises de Joseph Kabila avec le M23. Il y a mon Kondambo qui a Félix Tshisekedi. Peu importe le temps que ça va prendre, quand je récupérerai, on ne parlera plus de négociations. On dit que je le pratique mieux à l'obéli, on monte la goma. On a mis modeste meeting à te. Tôt ou tard, Kagame payera, Nanga payera, avant-hier, magie, ceux qui quittent magie, paieront. Ceux qui tuent cela, paieront. Patrick Mouya, le Biango, l'option levée, n'y aura plus. La solution est militaire, on l'a invité. La solution est militaire aussi. On l'a invité. Félix, hein. Nous tu as roupé ça qui tort, le bac à Yango. Personne ne me condamnera. Parce que j'ai usé de patience, j'ai utilisé tous les moyens pour persuader la communauté internationale. Maintenant, dans mon temps, Mangondi Kadame, le criminel, m'a quitté. Nous allons prendre nos responsabilités. Nous allons prendre nos responsabilités. Nous allons chuter par ici parce que Makamboa et Malam ou Melakate, tant que le bien était aimé, partager l'émission pour que toucher sensibilité à la population et même de partout, il y a Congolais Bazali et même face à monde parce qu'aujourd'hui, l'affaire de la République démocratique du Congo n'est plus affaire de la Congolais, car comme il y a affaire de la monde entier. Mobimba, la communauté internationale, parce que on en a marre, il faut en finir une fois pour toutes. Les lomo namboka, revenons au pays, tout solo la masolo. Dans 24 heures, nous allons connaître les sorts. Il y a une institution, il y a une des institutions d'Ali Bongo et Parlement, la Chambre na yemoko, les Ali Bongo Assemblée nationale, Otokoeba. Qui vont diriger le bureau définitif de l'Assemblée nationale? Mais le grand problème, moi, je suis un président de l'Union sacrée,
président et regroupement politique et même dans la députée nationale pour que bas solo là bas renforcer encore plus de solidarité dans cette union sacrée parce que union sacrée mon bon dongwani ezali bureau définitif et assemblée nationale mon avocat président Joseph Mbenza liste où ezali bongo publié parce que tout le monde qui présente bureau d'âge mon avocat Christophe Mbosso Kodiampwanga a évalué ma candidature a mis une liste définitive. Bah qui ne peut compétir mais la quatrième liste définitive bah député bah l'obier était bah côté bah bulletin blanc et bah tu as bulletin blanc pour la mutu moko pour la batunyo sote ah Vital Kamerhe que je salue bravo peut-être un beau sondé bah tu as bulletin blanc moi n'ambo kachilumbai bulletin normal Christophe Mbosso bulletin blanc selon des naïokeli pour dire ceci vous savez moi, trop bête solo dans mon émission, les autres, en tout cas lundi, je promets aux gens de revenir pour trop bête à ma solo. Sous pression, ben, je n'y en sais pas, quelle image ça donne pour le futur. Tout à fait. Pour la bisou IDPS. Vous comprenez? Pour la pouvoir. Les gens qui ont dit, allez, 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 ils ont été bien. Dans la politique, bah, la raté, la politique, bah, ça, là, on va avec émotion, t'es dans ça, d'état d'âme. Il y a mis ça, tic à politique. La politique, c'est fait avec la tête. Fils, mon combat, tic à politique. Je dis ceci, je pèse bien mes mots. En politique, on ne pleure pas. En politique, il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas d'émotion. Y a, la politique, c'est la rationalité. Mais ceux qui le l'ont, Tokoloba, Yemoura le bien était payé, elle est prise otage par le présidium et l'Union sacrée. Comment est-ce que vous pouvez baisser une liste et dire que. Voilà la conclusion. Et dire que décidons et ils vont obéir. Non, voilà. Est-ce que ce n'est pas la réalité? Le problème est anéni. D'abord, je salue aujourd'hui parce que mon Konzamboka n'a pas député, Balobi, IOP, on a M. Vital Kamerhe. Je ne peux pas combattre le choix du chef de l'État. Je ne peux pas combattre la volonté des députés qui ont voté la primaire pour M. Vital Kamerhe. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le prolongement du pouvoir du chef de l'État. C'est-à-dire, mon Konzambo, quand il y a une institution qui a le pouvoir, ça sera le cas pour le président Vital Kamerhe. Donc, il y a tâche mon nez, et surtout, il y a une période où il y a un nous sommes agressés, nous avons des problèmes. Alors, tout Congolais conscient doit apporter un soutien à son niveau. À M. Vital Kamerhe. L'accompagnement, le conseil, la sujection. Ça, c'est du point de vue, il y a mon manteau, parce que je suis de l'UDPS, je suis de l'Union sacrée. C'est-à-dire, si je tire sur M. Vital Kamerhe, c'est comme si je tirais sur le chef de l'État. Parce que M. Vital Kamerhe, il faut le dire, c'est notre premier partenaire au début, il y a Bamakambo. Moi, j'ai compris que le président de la République, il tient à ses engagements. C'est un homme qui tient à sa parole. Parce que Vital Kamerhe a joué un rôle important au côté du chef. Aujourd'hui, je crois que M. Vital Kamerhe pèse sur ses épaules. Il sait ce qu'il attend et ma responsabilité devant le peuple. Donc, c'est une occasion que M. Vital Kamerhe va démontrer au peuple congolais que c'est un homme d'État. Maintenant, le problème se trouve à quel niveau? Tous ces gens-là ont signé la charte de l'Union sacrée, oui ou non? Mais ils ont signé. Mais quand ils ont signé, le contenu de la charte dit quoi? Mais on a établi le présidium par la charte. Normalement, la candidature qui pose problème, c'est la candidature de M. Mbosso, Kodiampwanga, pour Kodiampwanga. Parce que le vieux, normalement, pour les gens, certains disent, comment tu as été président de l'Assemblée nationale et que tu acceptes d'être deuxième vice-président? Donc, les gens comprennent directement que tu n'as plus rien à donner, mais tu as besoin seulement d'un confort matériel. C'est ça la vérité. Donc, Mbosso, il a poussé un confort matériel. Qu'est-ce que vie encore va donner? Parce qu'au-delà de 85 ans, tu es fatigué. Tu étais président d'une institution, tu acceptes d'être le numéro 3. Par quelle magie politique? Parce qu'en politique, on veut toujours être premier. Étant donné que tu l'as déjà été. Donc, je viens de comprendre, selon ma analyse, je viens de besoin que tu tournes, que tu aies un chômage, que tu aies un pied gâté. Ce n'est qu'alimentaire, ça n'a rien à voir. Mais il ne va rien donner pour la République démocratique. Deuxième vice-président, tu vas donner quoi? Tu vas donner quoi? Mais le premier vice, j'ai l'aspect politique. Deuxième, j'ai les affaires administratives. Ah. Donc, donc, tout est allé bien. Le président va gérer. C'est-à-dire que
Si le président n'est pas là, c'est le vice-président. Rarement, on a deuxième vice-président à diriger ma plénière. Ça n'existe pas. Si l'un n'est pas au pays, l'autre est là. Entre les deux seulement. Donc la balle va se situer entre le président Vital Kamerhe et le premier vice-président, le professeur Paul Tshimba, que je salue. Il y a pas toujours 5 ans. En tout cas, moi, je demande vraiment que monsieur le professeur et monsieur Mbale, ma professeur, ça a vraiment la cohésion, Mbale. Pour que la législature soit apaisée. Que Bangoni Balé attendait à la Makas parce que c'est l'UDPS et l'UNC. Donc, ils ont mis la position originelle, il y a cash, mais au sommet maintenant de l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Alors, pour le poste, il y a bien Mosso, ça pose problème. Normalement, là où M. Boussa Niamouissa péché, il devait aller comme indépendant. Et non comme membre d'un regroupement parti, il y a signé la charte de l'Union sacrée. C'est là où ils ont péché, mais pourquoi ils n'avaient pas réfléchi? Il fallait que l'indépendant soit soutenu par. Mais il y a qu'un compte, il y a un ballon lié. Mais aujourd'hui, mon Amboka, quelles seraient les conséquences? Nous terminons par ici. Conséquences, c'est que Zalanini, ce qui est là, va député, va être peut-être un bulletin blanc, la poste à deuxième vice-président. Quelles seraient les conséquences? D'ailleurs, le Conseil d'État saisit, le Conseil d'État va sauter sur l'occasion pour dire retournons à zéro par rapport à ces postes-là. Bon, ça, l'élection, parce que tout le monde a payé dans ma poste, mais sur l'élection, ça l'a plus tard. Mais bon, je pèse à ma casse, un rapporteur adjoint entre Constant Moutamba, non, Madame Dominique Mounongo. Au moins, les politiques disent ça. Madame Dominique Mounongo, maintenant, son sort est entre les mains de l'UDPS. Donc, même, il faut. Tu vois, même, il faut le Kabouya. Au moins, les politiques. Même, il faut le Kabouya. De fond, il faut qu'on le voit bien. Ensemble, Moïse Katumbi, il fait Luka, il est baisse. Il fait Luka, il s'est jeté. Il s'est jeté Kabouya. Au moins, politique, c'est un cercle vicieux. Il y a un peu de temps que le Moutou, il y a un peu de la politique. Parce qu'il y a une lobité. Est-ce que Mme Dominique Mounongo a aidé avec les mêmes situations qu'on a laboué? Son sort est entre les mains des membres de l'Union sacrée. nous allons revenir parce que. Une minute. Il y a quand même Motomo Gazonga qui a pris conscience à Longoli Mwananae, à Timoto, à Longoli Serge Bahati. On a repris cette information. Oh, on a vu et pas à Mwanamboka Joël Kadé, à Zalipé Ndekonangai, à Yébanipé, Yé Motapé cette information. On a même mis un mot kaka. Ils allaient à propos d'Angate Boy Nangaïté. Mwanamboka Joël Kadé, l'objet était. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo, à Longoli Serge Bahati, à Zalipé Mwananae, à Té Madame. Oh, il y a Malembankulu, Nazali Makangu, Naye. Donc, ils allaient dire, il y a Joël Kadé. Et puis, ils allaient affirmer en haut. Donc, c'est d'aller à Yemi Bosolo. Et puis, ils allaient Bosolo. Que je réponds. Toko Tawanate. Toko Tate Ponani. Toko Tate Ponani. Ah, mon amboka. Je dis ceci. Yemi ça, M. Joël Kadé. A qui peut m'arrambouer pesté. Ça, c'est de la bassesse pour un journaliste. Entrer dans la vie privée d'une personne. Yébissan Ndeko Joël Kadé, c'est de la bassesse en tant que journaliste. C'est la bassesse. Je dis c'est la bassesse. Mais entrer, de dire, vous savez, il a évité ma journaliste, il a vu ce qui est déontologie, éthique et ça. Monsieur Bahati est un homme responsable, un père de famille. Qu'est-ce que tu veux créer comme zizanie dans la famille en montre? Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit, ce monsieur-là? Moi, je croyais qu'il était intelligent, moi, ce monsieur. Parce que c'est Joël Kadinda, c'est qui ce monsieur dans ce pays? Tu prends un monsieur comme Bahati, père de famille, un grand responsable. Au lobby que Maman Wana, Chimène, il est député national, il y a Malembakoulou, il y a monsieur Bahati Lukwebo. Maintenant, qu'est-ce que tu veux créer dans la famille de monsieur Bahati Lukwebo? Qu'est-ce que tu veux créer? Mais est-ce qu'elle est là, Oyo? Parce que tu as chuté dans cette candidature, les aïgots, Nazoya, parmi les gens qu'il faut respecter dans ces pays, c'est M. Bahati Lukwebo. Il a vécu, il vit, et c'est un grand leader politique, Abimisi Bate Bélé Lelo, au bas de la scène politique. C'est monsieur, moi j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne comme ça, qu'on quitte sa vie comme ça. Il y a un moment où il y a eu un chaînement pendant 30 jours à cause de ce genre de choses. Ah,
Je dis c'est la cause. C'est-à-dire, vérité. On ne s'attaque pas aux idées des personnes, mais on s'attaque à ma vie privée à Matou. C'est comme ça que la politique est comme une nauséabonde. Il faut rester. Les petits esprits parlent l'individu. Le grand esprit parle le principe. Moi, je suis là, je vois M. Mahat, le groupe attaque acteur politique. Je l'attaque sur le plan politique, mais sa vie privée n'engage que lui. Mais moi, je sais que c'est un père de famille, un homme très respectueux et un homme moral. Il y a moralité très élevée. Donc, probité à madame. T'as là, il retire son fils. Il met une autre personne. C'est ça, c'était le Congolais. On apprécie. Mais pourquoi pas la troisième? Parce qu'ils avaient dit trois candidatures. Ils avaient dit que ça passe. Ils avaient Tolongoli Amboso, Tolongoli, il y a président Boné Sebahati. Pourquoi pas aussi Jean-Pierre Bemba n'avait pas retiré sa soeur? Jean-Pierre Bemba n'est pas mis sur Bahati du Kwebo. C'est aussi simple que ça. Il faut demander aux gens du MLC. Je dis, il faut demander aux gens de MNC. Moi, je ne sais pas. Mais moi, la chose que je sais, que M. Bahati, c'est un acteur qui a de la hauteur. Il a retiré la candidature de M. Serge Bahati, qui était valable, mais pour des convenances personnelles. Il y a Yemoko, il retire, il met madame, la députée Amalem Bankoul, point barre. Ça, il faut respecter un tel homme. Voilà. Moi, je suis à 30 secondes de caméra. Un message de la population congolaise. Non, le message à Liboso, c'est que le président aujourd'hui reçoit les députés nationaux, dans ma membre à présidium, parce qu'il y a trop de désordres inutiles. Les gens veulent tous arriver au pouvoir. Être ministre, être directeur général, c'est impossible. Moi, va te Bundi, hein, Nicolas Liste. C'est ça, c'est impossible. Donc, je demande au chef de l'État de ne pas contenter ceux qui sont dans l'Union sacrée. Ou à Monia Kokende, à Kenaye. Ou à Monia Kokende, chef de l'État avec humilité à accompagner. Mais aussi, à Bana Mboka, Nyosa Kongo, la diaspora. Mais, awa, vous soutenez mon Kondia Mboka. Félix Tshisekedi Tshilombo, ba ma pinga na biso na ba pulusu na biso parce que baza bilombe. Alors ba tumi susu azo bozo le kala ba télévision zo pesa numéro te bon na on pesa te mais je fais quand même exception. Si vous voulez na cadre ya soutien, na cadre ya sujection à ma proposition, le numéro c'est le 081 068 57 26. Donc botika malam bozo émission bo liker bo partager bo panza yango pour le kumu ya mboka. Pour na lomboka émission sili na yango. Et monsieur Sili, je suis là pour vous parler de Jean-Claude Benza. Il y a jeudi 16 mai, tout le monde a dit rencontre avec deux personnes. Tout le monde a dit rencontre avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le cardinal Fridolin Ambon. Ambon? Les vieux Fridolin? Bakoutani, si vos problèmes, ils ont un problème. Si vous avez un problème, est-ce que le cardinal a un problème? Tu viens comprendre que tu vas combattre à l'état. Tu viens comprendre que tu vas combattre à l'état. Et puis moi, j'ai aimé l'image. Tout ça pour les mignes, mais tout ça, parce que c'est pour l'intérêt de tout le monde. Bravo à vieux Fridolin Ambongo. Nous écoutons un Fachi Beto. Moi, bien sûr, je suis sur le langage, je suis dans la même direction. Tu peux ça occasion de la mouna. Ailleurs, il y a une polémique au Samboué. C'est le cardinal. Viens sur la tienne à 7 ou tienne à 7.